Pourquoi? Parce que Jésus, c'est le maître de sagesse. Et si nous avons le Seigneur en nous, en fait, nous avons son esprit. Et l'esprit de Dieu est appelé l'esprit de sagesse. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, hein, c'est l'esprit de sagesse, c'est l'esprit de conseil, c'est l'esprit de force, Ésaïe 11. Donc Dieu est venu, l'a donné l'Église, le Saint-Esprit, pour marcher, parce que nous avons besoin de la force, la force pour ne pas commettre le péché, nous avons besoin de la force pour résister aux assauts, chers frères et sœurs, de Satan, parce qu'il y a des flèches que l'ennemi aussi envoie. Alléluia. Peut-être que nous n'avons même pas conscience de cette guerre, mais nous sommes bel et bien dans une guerre. Alléluia. Et dans une guerre, il y a les dommages sont dans les deux camps. Hein. Donc si on ne veille pas, si on ne s'entraîne pas, si on ne revêt pas cet équipement, l'armure du combattant, on peut être touché, chers frères et sœurs, même si on est baptisé, même si on est né de nouveau, on peut être touché si on ne revêt pas l'armure. Donc le Seigneur nous a donné son armure, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Ou puiser la force, ce n'est pas en allant à gauche et à droite, ce n'est pas entre les mains de l'homme, c'est en Christ. Et Jésus, c'est la parole. C'est dans la parole que nous puisons notre force, chers frères et sœurs, pour pouvoir avancer, prospérer dans les voies du Seigneur. À lui soit toute la gloire. Et les équipements, l'équipement qui est dépeint dans le livre d'Éphésiens 6, c'est le Seigneur. Hein? L'épée de l'Esprit, c'est Jésus. C'est le bouclier de la foi. La foi qui vient ce qu'on entend. C'est la parole de Dieu, c'est Christ en fait. On doit se revêtir de Christ. Alléluia. Oui. Si nous voulons être à l'abri des sorciers, des vampires, si nous ne voulons pas être la proie des démons, chers frères et sœurs, nous allons être habillés du Seigneur le matin, habillés du Seigneur à midi, habillés du Seigneur le soir à minuit. Donc c'est un équipement qui ne te quitte pas. Habillés du Seigneur quand tu voyages. Parce que si tu laisses cet équipement, chers frères et sœurs, ben, tu tournes, tu t'exposes tout simplement à l'ennemi, à l'action de Satan. Nous allons donc partager cette parole de... Si quelqu'un est dans la page, il peut faire lecture. Hein. De 1 Samuel 10, le premier verset au verset 7. Donc, quelqu'un peut faire lecture. 1 Samuel. Or, Samuel prit une fiole d'huile. Oui. Qu'il répandit sur la tête de Saül. Puis il le baisa et dit : L'Éternel ne t'a-t-il point en moins pour être le conducteur de son héritage ? Aujourd'hui, quand tu seras parti d'avec moi, tu trouveras pour le tombeau de Rachel sur la frontière de Benjamin à Telchach deux hommes qui te diront les ânesses que tu es allé chercher ont été trouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, disant que ferai-je pour retrouver mon fils. Lorsque de là tu auras passé plus avant et que tu seras venu jusqu'au chêne Tabor, tu seras rencontré par trois hommes qui montent vers Dieu à Bethel et qui portent l'un trois chevaux, l'autre trois tourteaux de pain et l'autre une outre de vin. Et ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront deux pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu viendras à Gibea à Elohim, où est la garnison des Philistins. Et il arrivera qu'en entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, descendant du haut lieu, ayant devant eux une lyre, un tambour, une flûte et une harpe, et qui prophétiseront. Alors l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux. Sera changé en un autre homme. Et quand ces signes te seront arrivés, fais tout ce qui se présentera à faire, car Dieu est avec toi. Gloire à Dieu. Amen. Samuel, c'était un prophète, la bouche de Dieu, un envoyé, chef pasteur, un proclamateur de la justice de Dieu. C'est le premier prophète dans la Bible à avoir un roi, et c'était même à contre-cœur. Il n'a pas voulu, parce que c'était le peuple qui réclamait. Ils ont réclamé un roi parce qu'ils voyaient comment les nations environnantes fonctionnaient. Israël, à cette époque, était une théocratie. La théocratie, c'est quoi ? La théocratie est un système politique qui est différent d'une démocratie. Vous voyez, en démocratie,
le pouvoir appartient au peuple. Donc c'est un système politique dans lequel le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui choisit son destin. Nous avons ici en France un système de démocratie qui est direct. Ça veut dire que c'est les gens eux-mêmes, c'est chacun qui va élire le projet qui va avec ses aspirations. Contrairement aux États-Unis, c'est un suffrage, c'est une démocratie qui est indirecte en fait. Le peuple va élire les grands électeurs vont élire le roi. Le président, autant pour moi. En théocratie, c'est Dieu qui décide du projet. Le projet qui est bien pour lui et qui est bien pour le peuple. Hein? C'est Dieu qui dit, qui pense. Il pense des projets, il pense une vision, il dit ça, c'est bien pour vous et c'est bien pour moi. C'est pas le peuple qui dit ça, ça serait bien pour Dieu. Non, ça ne se passe pas comme ça en fait. C'est ça, et l'Église doit retrouver cet aspect des choses. Si nous voulons marcher dans les signes, si nous voulons être une Église qui marche dans les signes, dans les miracles, dans les prodiges, chers frères et sœurs, Jésus est revenu pour, effectivement, pour nous ramener dans cette dépendance en fait, dépendance à Dieu. Dieu doit régner, il doit être le roi de chaque enfant de Dieu. Dieu doit être le roi, si Dieu le Seigneur t'a donné un ministère. Dieu doit régner sur le ministère, sur la paix, sur la vocation que tu as reçue de lui. Je connais des projets que j'ai formés sur vous, dit Dieu. Donc il y a un projet de Dieu pour les hommes, pour Israël, mais aussi pour nous l'Église. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner l'avenir et de l'espérance. Il y a un avenir, chers frères et sœurs, qui est certain quand on décide de rentrer dans l'épouser le schéma de Dieu. Le Seigneur ne rentrera jamais dans nos schémas, chers frères et sœurs. Jésus est le berger, c'est le premier oint. Hein? Celui qui est oint par excellence, c'est Christ. Saül est oint. Samuel va utiliser une fiole pour oindre. Et il lui sera dit, Dieu ne t'a-t-il pas oint pour être quoi? Le conducteur de ton peuple. Donc, en fait, Dieu nous oint, il nous donne l'onction ou le Saint-Esprit pour être quoi? Pour servir une cause. Et les rois, et dans la Bible, il y a deux qualités de serviteurs. Il y a les rois, Dieu appelait les rois, mais c'était les serviteurs de Dieu. Aussi, ce qu'on appelle les lévites, les sacrificateurs, c'était aussi les serviteurs de Dieu, mais avec des tâches bien définies. Le roi ne pouvait pas faire, n'est pas appelé à faire le travail du sacrificateur, ni le sacrificateur à faire le travail du roi. C'est pareil, même dans l'Église aujourd'hui, le Seigneur nous appelle tous, mais chacun avait une fonction bien précise. C'est un peu comme le corps humain. Certains seront les yeux, d'autres seront les oreilles, d'autres seront les pieds. Il y a une interdépendance, il y a une solidarité entre les membres. C'est ce qui fait la force du corps. Et si l'Église aujourd'hui est dans un piteux état, chers frères et sœurs, si l'Église elle est à genoux, elle est comme essoufflée, parce que c'est une Église qui... C'est un corps, mais un corps qui est comme démembré. Un corps qui est dépecé, chers frères et sœurs. Imaginez un peu un corps qui n'a pas de tête. Il n'y a pas de vision. Ce corps va aller où? Et la tête, c'est Christ, c'est Jésus. C'est lui la tête, c'est lui le berger. C'est lui qui donne les orientations, les directives. Si on ne les écoute pas, chers frères et sœurs, mais on va tout droit au mur. C'est pourquoi les églises sont sans force. Il n'y a pas la puissance, soit la puissance pour libérer les âmes. Il n'y a aucune puissance. Le péché a pris le dessus et l'église épouse. L'église qui doit inspirer le monde. Le monde doit voir à travers l'église et dire non, mais nous voulons vivre un peu comme ces gens-là. Mais l'église, plutôt, ça fait le contraire. Imite les mots du monde, les musiques du monde qui sont rentrées dans les assemblées. Les chrétiens veulent s'habiller comme des païens. Ils ont pour référent, pour modèle,
les gens qui vivent dans l'impudicité absolue, le monde de la musique, les gens de la musique, du sport, tous ces gens-là qui vivent dans le péché, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alors que nous avons un seul modèle, Christ, un modèle de sainteté, de pureté, d'humilité, chers frères et sœurs. C'est notre modèle à nous. C'est pourquoi ça ne marche pas. On ne peut pas avoir de force, parce qu'on ne peut pas vouloir que Dieu fasse des choses et qu'on ne le suive pas. On peut pas vouloir que le Seigneur agisse, chers frères et sœurs, et que en même temps nous négligeons sa parole. À cette époque, nous sommes là à une époque, l'époque de la loi, Jésus n'avait pas encore été donné. Et à cette époque, il y a quelques personnes qui avaient l'onction, qui avaient le privilège de recevoir l'onction. Alléluia. Par exemple, l'onction était sur des lévites, sur des sacrificateurs, sur des anciens, sur des prophètes, sur des rois. Mais le peuple, le reste du peuple n'en avait pas. Et même des prophètes qui ont expérimenté ces choses. La Bible nous dit qu'ils avaient sondé les Écritures parce qu'ils ne comprenaient pas que eux, ils avaient l'onction et cette onction n'était pas sur le peuple. Nous avons par exemple, on peut lire 1 Pierre pour essayer de comprendre. 1 Pierre, 1 verset, à partir du verset 10. Et une autre personne va ouvrir Daniel, on va lire ça, dit Daniel, à partir du chapitre 1, verset 4 à 5. Verset 1 à 4. Oui, 1 Pierre, 1 Pierre 1, à partir du verset 10. C'est au sujet de ce salut que les prophètes qui ont prophétisé concernant la grâce qui vous était destinée ont fait leur recherche et leur investigation. La Bible dit que les prophètes ont prophétisé sur la grâce qui nous touche. Donc il y a des gens que Dieu avait révélé les choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous vivons depuis le commencement des temps de la fin. Ces temps qui avaient été prophétisés par Joël. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair, vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, les vieillards auront le sang, sur les jeunes, sur mes serviteurs, sur mes servantes, je répondrai de mon esprit, il y aura des signes dans le ciel, et quiconque le feu, le sang, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, et les temps de la fin, nous voyons que ces temps ont commencé le jour de la Pentecôte, bien avant de la Pentecôte, parce que nous avons celui qui avait été envoyé, l'Élie, pour préparer le chemin du Seigneur. Qu'est-ce qu'il va dire? Les temps sont accomplis, c'est-à-dire les temps sont finis. Repentez-vous et convertissez-vous, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Hein? Et à la Pentecôte, nous lisons, l'apôtre Pierre va faire un rappel de ce que Joël a dit, acte 2, verset 17. Que c'est ici ce que Joël avait annoncé dans les derniers temps, parce que les gens qui avaient expérimenté le revêtement de puissance, le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, ceux-là que Dieu, les 120 qui étaient dans la chambre haute, les hommes, y compris les femmes, la Bible nous dit qu'il y a des langues semblables à des langues de feu qui se sont posées sur chacun d'eux, c'est des langues séparées, et se mis à prophétiser selon que l'Esprit leur conduisait. C'est l'Esprit qui les conduisait dans l'exercice du parler en langue, ou de la prophétie, ou du ministère. Ce n'est pas eux qui dirigeaient le Saint-Esprit. On ne peut pas diriger. Et Dieu a donné le Saint-Esprit pour conduire son Église, pour conduire son peuple, pour conduire chacun de nous. Il faut qu'on soit à l'écoute de la voix du Seigneur. Et les voix de Dieu ne sont pas forcément nos voix. Autant le ciel est éloigné de la terre, nous dit l'Écriture, Ésaïe 55, autant mes voix sont au-dessus de vos voix, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Dieu a une intelligence supérieure. Nous sommes limités, chers frères et sœurs. Dans notre vue, ne serait-ce que dans notre vue, on est limité. Nous avons une intelligence limitée. C'est pourquoi il faut toujours se référer à Dieu. Il faut toujours soumettre ses projets au Seigneur. Alléluia. Oui. Il faut soumettre sa vie à Dieu. C'est ça le problème. Aujourd'hui, c'est pourquoi les chrétiens sont possédés.
ils sont liés par toutes sortes de... Ils sont dans les chaînes des choses comme ça. Il faut qu'on dépende de Dieu. On va dépendre de Dieu. Alléluia. Et parfois, les choix, les décisions, les orientations que Dieu veut pour notre route, après bien vu, ça ne nous plaît pas. Mais on finit toujours par apprécier l'œuvre de Dieu. Quand on accepte de suivre le Seigneur, je ne comprends pas tout, je te suis, on finit toujours par apprécier, parce que c'est Dieu qui a toujours raison. On finit par apprécier l'œuvre de Dieu dans notre vie, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc ici, nous avons l'Esprit de Dieu a été accordé à quelques personnes. Et nous voyons, y compris le roi, et nous voyons les signes. Le prophète va donner les signes à Saül en disant que quand tu verras l'accomplissement de ces signes, sache que Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu est avec toi et fait tout ce qu'il y a à faire. Donc, ça dit, tu es dans la volonté parfaite de Dieu. On n'a pas fini la lecture de... oui, tu peux continuer la lecture. Oui, un pied, oui. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce. Oui. Il voulait sonder les portes et les circonstances marquées par l'esprit prophétique de Christ qui était en nous. Oui, en fait, regarde un peu, l'écriture que l'esprit prophétique de Christ était en dans les prophètes de l'ancienne alliance, y compris dans les rois. Dans les rois, il y avait célesté l'esprit de Jésus. Même David, c'était un prophète. Hein. Il a prophétisé même sur Christ, les choses que nous vivons aujourd'hui. Donc, eux, quand ils ont reçu ces choses, ils ne comprenaient pas. Mais ce n'était pas à la portée de tout le monde. Et ils ont fait l'objet de leur investigation. Ils ont bien fait des recherches. Nous avons aussi Daniel. On peut lire Daniel. Daniel, le chapitre 12, le premier verset au verset 4. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse, tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations, jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera, savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et une infamie éternelle. Donc, en fait, ici, attends, je vais pas finir, je vais aller le verset 4. On parle ici d'un temps d'angoisse. Un temps d'angoisse, de tribulation, et je crois que nous sommes dans ce temps. Et l'Écriture dit que ceux qui seront inscrits dans le livre, c'est quel livre? C'est le livre de vie de l'agneau. Donc, ils seront épargnés. Il y aura des angoisses, il y aura des tensions, mais ils seront dans la paix. Ils seront dans la présence de Dieu. Ta présence me remplit de joie, nous dit le psalmiste David. Ta présence me remplit de joie. Il n'est pas en train de dire ici, il ne dit pas que ses armes, son or, son argent ou sa position de roi. Hein, voilà, les gens sont à la pousse des titres, machin. Non. Il dit ta présence me remplit de joie. Alléluia. La présence de Dieu. Alléluia. Et quelqu'un qui a la joie, il est heureux, il est dans le bonheur. Même si le frigo est vide, même s'il n'a pas de travail. Alléluia. L'apôtre Paul dit que j'ai appris à servir Dieu dans la disette comme dans l'abondance. Ce n'est pas quelqu'un qui est influencé par le manque ou l'abondance par rapport à sa mission, à son service envers Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Oui, tu peux lire le verset 4, qu'est-ce que ça dit? Alors, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui en auront amené plusieurs à la justice brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Et toi, Daniel, cache ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le parcourront et la connaissance augmentera. Plusieurs, oui, tiens ce livre, c'est jusqu'au temps de la fin. Donc, il voulait ouvrir, il voulait décoder en fait. Il voulait, le livre était comme scellé. C'était comme un livre codé, oui. Et il voulait décoder. L'ange lui dira, tiens ces choses cachées jusqu'au temps de la fin. Alléluia. Et le temps de la fin, c'est depuis le livre est révélé, le Seigneur est venu. Il a ôté le voile. Le voile s'est déchiré. L'Esprit de Dieu est répandu
sur il y a un mouvement de l'esprit qui se fait à travers tous ceux qui croient dans le Seigneur. Aujourd'hui, l'esprit de Dieu est répandu sur les hommes, sur les femmes. Il est venu pour mettre fin au sacerdoce lévitique, chers frères et sœurs. Il est venu pour réparer cette injustice-là. Hein, où certains qui avaient droit, d'autres n'avaient pas droit. Tout le monde a droit à l'Esprit de Dieu. Tout le monde a droit à la présence du Seigneur. Et lui-même, il va le dire, Jean 7, verset 37, le jour de la fête, c'était un grand jour, un jour pas comme les autres. Il va s'écrier en disant, si quelqu'un soit, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en lui, il croit en lui. On n'a pas besoin des hommes, chers frères et sœurs. Pas de manière absolue, alléluia. Parce que c'est aussi les hommes qui nous enseignent la parole de Dieu. Mais il faut que nous construisons premièrement notre relation avec Dieu. Alléluia. Hein? Les fleuves d'eau vive. Il parle des fleuves, chers frères et sœurs. Couleront de sa vie, de son sang. Alléluia. Jusque dans la vie éternelle. Et Jésus lui-même, parce qu'il y a eu une dispute, une discussion dans le livre de Jean, chapitre 3, concernant le Christ. Parce qu'en fait, quand Jean, le baptiseur, avait présenté le Seigneur Jésus-Christ dans le Jourdain en disant, c'est celui-ci, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et tous les disciples allaient vers le Seigneur. Et Jésus s'est mis à baptiser ces personnes. Et les pharisiens ont dit, mais quelles sont ces histoires? Pourquoi tous vont... et les gens se sont mis à se détacher de Jean le baptiseur pour aller vers Jésus. Mais il va dire, mais les gens vont le voir pour dire, non, mais on ne comprend pas que les gens, tes disciples, te quittent pour aller. Il a dit, mais moi je suis l'ami de l'époux. Et l'ami de l'époux ne peut être que se réjouit. S'il le voit, l'époux, n'est-ce pas, en train de se marier avec l'épouse, tu vois, il est dans la joie et que je vous ai dit que moi, je n'étais pas plus grand que le Seigneur. Donc, et que celui qui vient du ciel, il est plus grand que celui qui vient de la terre. Il avait reconnu que même s'il avait l'Esprit de Dieu, il venait de la terre et que Jésus, même s'il est né d'une femme, mais il venait du ciel et qu'il avait reçu l'Esprit sans mesure. Alors, si Jésus est la tête et que la tête a reçu l'Esprit sans mesure, nous sommes le corps. C'est vrai que nous avons reçu une avance. Dieu nous donne une avance en attendant la totalité, l'accomplissement quand il viendra. Alléluia. Mais c'est une avance sans mesure. C'est pourquoi Paul dit, soyez continuellement remplis de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous devons, pour être remplis, c'est des vases. Nous sommes comme des vases. Et si ce vase est plein, il sera difficile au Seigneur de remplir. Alléluia. Dieu nous remplit pour qu'on puisse, pour qu'on puisse déborder. Oui, qu'on déborde. Il veut qu'on déborde de sa présence, en fait. Il veut qu'on déborde. Il faut que l'onction de Dieu déborde dans notre vie. Donc, les prophètes, la Bible dit qu'ils avaient l'Esprit en eux. C'était l'Esprit de Christ. Quand nous avons lu dans le livre de Samuel, il nous est dit le troisième signe qui avait été donné par le prophète Samuel à Saül, c'était quand tu arriveras dans le chêne de Tabor, tu rencontreras une foule de prophètes. Hein, une foule de prophètes. Et l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Tu prophétiseras avec eux. C'est-à-dire, tu parleras de la part de Dieu avec ces personnes. Et en même temps, tu seras changé en un autre homme. Mais ça nous parle de quoi? Changer en un autre homme. Que dit l'Écriture? Et là, l'Écriture dit que c'était l'Esprit de Christ qui animait ces prophètes. Ça nous parle de la nouvelle naissance. Donc, il y a des gens dans l'Ancienne Alliance qui avaient expérimenté la nouvelle naissance. Parce qu'ils avaient l'Esprit de Christ en eux. Et 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, nous dit que ceux qui sont en Christ, maintenant, deviennent des nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont faites nouvelles. Ça veut dire qu'il y avait des gens, quelques personnes qui avaient expérimenté la nouvelle naissance. Mais là, on dit, mais il avait expérimenté la nouvelle naissance, mais comment est-ce qu'il a fini dans les choses qu'il avait vomies autrefois dans son commencement? Parce que c'était quelqu'un quand c'est Saül, animé de l'Esprit de Dieu. Non, il avait la capacité de pardonner ses ennemis parce que tout le monde n'était pas d'accord de son élévation. Et il y a eu une guerre, il a mené une guerre, ils ont remporté les grands butins. Il a dit non, Dieu a accordé une grande victoire. C'était l'Esprit de Dieu qui l'avait amené à son peuple, et puis on va partager le butin à tout le monde. Ceux qui étaient autour de lui disaient que non, jamais, on ne peut pas, parce que les gens déjà ne t'ont pas ouvert les présents, ils sont rentrés, c'était fâché. Mais il y avait l'Esprit de Dieu en lui qui animait sa vie.
Mais à la fin de sa vie, il a passé son temps à poursuivre, au lieu de s'occuper du droit social, au lieu de s'occuper de la justice, des affaires militaires, d'agrandir le royaume, il a passé sa vie à poursuivre le petit David. Il voulait le tuer parce que pour lui, David était devenu une menace pour son royaume. Il va même le dire à son fils que tant que le fils d'Isaïe sera en vie, il n'y aura pas de royaume ni pour toi, ni de paix pour la stabilité pour notre royaume. Il va le dire, c'est dans les Écritures, chers frères et sœurs, dans le livre de Samuel. Donc, il a passé sa vie, c'est-à-dire s'est trompé des cibles. Et regardez la guerre qui se passe, la guerre des ministères, des pasteurs qui s'insultent, qui se font des vidéos entre eux. On se demande, mais quel est l'esprit qui anime? Où est le pardon? Où est la maîtrise de soi? Ça devient de la distraction, chers frères et sœurs, entre les hommes de Dieu. Donc, tu seras changé en un homme, il était né de nouveau. Né de nouveau maintenant. La nouvelle naissance, ce n'est pas l'aboutissement d'une vie avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a l'Esprit de Dieu que ben voilà, tout est fini, on est tranquille. Que la vie avec le Seigneur devient un long fleuve tranquille. Au contraire, quand Dieu te oint, quand il te revêt, l'onction, ça va t'attirer les combats. Ça énerve le monde des ténèbres. Pourquoi? Parce que c'est l'onction de Dieu. D'après Ésaïe chapitre 10, verset 27, qui brise les jougs de Satan, chers et sœurs, dans les vies. C'est l'onction du Seigneur. Satan, il a peur des chrétiens qui ont le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit, oui, parce que le Saint-Esprit révèle les œuvres de Satan. Alléluia. Ça nous révèle les projets de Dieu. Ça nous rend inatteignables. On est un homme averti, on est un homme avisé, chers frères et sœurs, quand on a l'Esprit de Dieu. On est un homme avisé. Et ces chrétiens-là, le diable a peur d'eux. C'est pourquoi ils sont beaucoup persécutés. Et quelque part, Satan passe par nos liens les plus forts, les membres de nos familles, pour nous détourner de la voie de Dieu. Et ça, bien, il sait bien les utiliser, chers frères et sœurs. C'est pourquoi il faut sortir des sentiments, chers frères et sœurs. Alléluia. Il faut prioriser la parole de Dieu. Dieu ne demande pas. La Bible n'est pas un livre qui incite les gens à la haine. Alléluia. La Bible nous dit que ce n'est pas l'amour qu'on reconnaîtra que vous êtes ici du Seigneur. Même si les membres de nos familles ne nous comprennent pas, nous devons les aimer parce que c'est un voile que Satan a mis sur eux. Nous devons tout simplement nous mettre nos genoux à terre, prier pour que la même grâce qui nous a été faite, chers frères et sœurs, soit leur lot. Que cette grâce soit leur partage. Alléluia. Parce qu'on ne peut amener personne à la conversion. Ça ne relève pas de notre compétence. Tu peux être l'homme le plus loin du monde. Tu ne peux amener personne à la conversion. La Bible nous dit que le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice de jugement. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans les vies. Alléluia. C'est pas oui, Dieu nous fait grâce de prêcher. Après, c'est le Seigneur qui agit. Alléluia. C'est lui qui guérit, c'est lui qui console, c'est lui qui libère, c'est lui qui transforme. Il transforme le cœur. On doit tout simplement faire ce qu'il nous commande de faire. Il était né de nouveau. Et nous voyons qu'à la fin de sa vie, mais quand l'Esprit de Dieu l'a quitté, parce que l'Esprit de Dieu peut te quitter, si tu ne conserves pas le sceau, par quoi les choix que tu fais, quand l'Esprit de Dieu l'a quitté, c'est le malin. Et ça rejoint la parole de Matthieu. Il a vécu, Saül a vécu cette expérience. Le malin s'est emparé de lui. Et le malin l'a entraîné à la fin de sa vie, il avait peur. Il avait peur de ses ennemis. C'est comme ça qu'on peut la présence de Dieu, on vit dans la peur. Il est allé consulter les divins, les gens qu'il avait chassés auparavant, chers pasteurs. Il est allé, il a fini en consultant les divins. Les gens qui invoquent les gens qui pratiquent la nécromancie. Oui, on peut commencer bien et terminer très mal. Je vous assure. C'est pourquoi il faut rester dans l'humilité. Il faut rester dans l'humilité. Il faut être comme un enfant avec les cheveux du Seigneur. Les grands hommes de Dieu que vous voyez à travers le monde, qui se sont détournés, qui ne prêchent plus le message central, la croix, ce message qui a été voté par le ciel pour amener les hommes au salut, ce message qui libère les gens
la puissance du péché, de sa pratique, qui libère les gens de la domination de Satan, des démons, chers frères et sœurs. Ce message qui brise les chaînes, qui coupe les liens, ce message ne lui prête. Pourquoi? Parce que, en fait, le diable les a volés, ce message. C'est les gens qui ont bien commencé, qui étaient comme dans la simplicité, mais ils se sont laissés séduire. Chers frères et sœurs, ils sont sortis complètement du message, parce que Satan travaille. Il peut travailler avec les hommes, avec même des collaborateurs. C'est pourquoi il faut discerner. Tout ce qu'on peut te dire, est-ce que c'est un accord, ça cadre avec la parole de Dieu? Il ne faut pas sortir des Écritures. Il ne faut pas que quelque chose, même un concept, sorte des Écritures. Est-ce que c'est scripturaire? Oui, je l'accepte. Oui, je me soumets. Mais quand ce n'est plus dans les Écritures, bien attention, nous nous exposons, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Il faut suivre la voie de l'Esprit. Et il est dit dans ce passage que tu vas rencontrer une foule de prophètes et tu vas prophétiser avec eux. Quand même, l'œuvre que le Seigneur nous appelle s'inscrit dans la vision que Dieu nous donne. Dieu nous dit, on peut être seul à être appelé. Hein? Je t'appelle, mais tu ne peux pas tout faire seul. Dieu ne t'a-t-il pas choisi pour être conducteur de son peuple? Mais tu ne peux pas conduire une nation toute seule. Même la nature elle-même, elle nous enseigne, chers frères et sœurs. Le monde dans lequel nous vivons nous enseigne. François Hollande ne peut pas conduire toute la France seule. Il a besoin de s'appuyer sur des personnes. Alléluia. Il a un premier ministre, il a des ministres. Ils ont, je ne sais pas, président, des conseils, députés, des maires. Et tout ça, donc, c'est un ensemble. Et Dieu donne des portions comme ça aux gens. C'est le Seigneur qui assemble. Il n'y a pas aussi question, parce qu'on a une vision, on va se mettre à chercher des gens dans la chair. C'est le Seigneur lui-même qui assemble des personnes, qui crée des connexions. Alléluia. Il faut qu'on soit tout simplement à l'écoute de la voix de Dieu. Parce que si toi-même, tu cherches des collaborateurs dans la chair, tu peux faire des mauvaises rencontres. Alléluia. Amen. Et ça peut finir par jouer en ta défaveur, ça peut t'asphyxier. Certains, ils pensent que bon, il faut s'assembler tous pour être puissants. Vous pouvez vous assembler et puis ça fragilise l'œuvre de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de vision. Si vous n'avez pas la même vision, vous n'avez pas les mêmes désirs, les mêmes motivations, il y aura un blocage, chers frères et sœurs. Alléluia. Amen. C'est un mouvement, chers frères et sœurs. On ne peut pas travailler seul. Seul, il y a des domaines, il y a des niveaux d'élévation, des niveaux de gloire, chers frères et sœurs, que nous ne pourrons jamais atteindre seuls. Nous avons besoin des frères, des soutiens, chers frères et sœurs. Nous avons besoin des collaborateurs. Je ne peux pas être à Montpellier en même temps ici. À Avignon, non. C'est impossible. Donc, le problème, c'est qu'il y a les hommes de Dieu qui tiennent l'œuvre de Dieu en otage. Ils ont mal compris le plan de Dieu. Alors, ils veulent faire tout centralisé. Et ça fait tort. Quand il y a des gens même qui ont des capacités, des compétences, qui peuvent être responsables de l'Assemblée. Parce que Dieu a besoin des conducteurs. Dieu n'est-il pas choisi pour être conducteur de son peuple? Un conducteur, c'est quoi? C'est un guide. Comment comprends-tu ce que tu lis? Acte chapitre 8. Comment comprendrais-je si personne ne me conduit? C'était la réponse de l'Eunuque. On a besoin d'être enseigné. Donc, si on dit aux gens que vous n'avez plus besoin d'être enseigné parce que bon, ben, c'est le Saint-Esprit qui enseigne, c'est Jésus qui est le berger. Jésus n'est pas le berger, il est le bon berger. Et il y a des bergers. Alléluia. Il a établi des bergers dans son église. Quand je parle d'église, ce n'est pas église-bâtiment. Hein. Je ne parle pas d'église-bâtiment. Écoutez ce qu'il va dire. Et le berger, là, pour nourrir le peuple de Dieu. Vous savez, on a besoin de l'onction, en fait. L'onction est donnée pour délivrer les gens. Et la première délivrance qu'on a besoin, c'est l'ignorance. Alléluia. Mon peuple meurt ou périt faute de connaissance. Mm-hmm. Et il y a les gens, Dieu va donner à certaines personnes cette capacité d'enseigner pour nous sortir de l'ignorance, chers frères et sœurs. Alléluia. L'ignorance sur les choses de Dieu. L'ignorance sur, sur Satan lui-même. Parce que si on connaît qui est notre Dieu, si on connaît notre position en Dieu, on ne peut pas être malmené, on ne peut pas être effrayé. Si tu vois un oiseau, tu te mets à trembler. Oh, ce sont les sorciers, l'arrivage des sorciers, l'atterrissage des sorciers. Non, cher frère, tu vas prendre autorité. Hein? C'est ça. Ce n'est pas des gens, Dieu n'établit pas les gens ou ne les donne pas l'onction pour dominer, pour écraser les autres. C'est pour édifier, c'est pour édifier le peuple de Dieu. C'est pour édifier les enfants du Seigneur
jusqu'à maturité, jusqu'à ce qu'ils deviennent des chrétiens accomplis, des chrétiens mûrs. Et la Bible nous dit que tout disciple accompli sera comme le maître. C'est-à-dire jusqu'à ce que les gens soient capables, ceux qui sont enseignés, soient capables eux-mêmes de se prendre en charge. C'est-à-dire quand il y a des situations de maladie, tu as des enfants qui sont malades, avant d'apprendre le téléphone pour aller appeler le pasteur, mes enfants ont mal à la tête, toi-même, tu vas d'abord commencer à prier sur ces malades, sur tes propres enfants. C'est ce que Dieu veut. Amen. C'est ça le problème. On a grandi dans un christianisme terrible. On est là comme ça, on a la capacité d'agir, mais on n'agit pas parce que personne ne nous le dit. Si on ne te le dit pas, si on ne te prépare pas, par exemple, tout ce que les enfants, les gens, ils voient faire ici. On dit des personnes, il y a des gens, des femmes qui se disent, pour chasser, ça ne peut pas, ces enfants. Hein? Mais il y a des choses qu'on ne peut pas donner, peut-être par enseignement, ne serait-ce que par notre vie, notre témoignage. Ils sont enseignés. Ils seront que, oh, donc, même quand des femmes se lèvent et chassent les démons, ça veut dire que, ben, moi aussi, c'est possible que je le fasse. Donc, c'est l'ignorance. D'abord, la défense sur l'ignorance. On a besoin des conducteurs, des gens qui nous enseignent jusqu'à maturité, jusqu'à ce qu'on devienne un chrétien mature, un chrétien autonome. Tout disciple accompli sera comme le maître, jusqu'à ce qu'on soit capable d'entendre la voix du maître, d'agir comme le maître. On peut chasser les démons, on peut prier sur les malades, chers frères et sœurs. On peut exhorter, on peut encourager quelqu'un qui passe par des situations difficiles. C'est ce que le Seigneur veut. Alléluia. Il ne veut pas une église infantile, chers frères et sœurs. Alléluia. Il veut des hommes, on ne peut pas rester. Dieu ne nous appelle pas à rester au lait. Oui, nous naissons. La nouvelle naissance, c'est le commencement d'une vie. Mais Dieu ne veut pas au lait tout le temps. Imaginez que vous avez un enfant de 20 ans qui vous réclame, maman, je suis libéron. Il y a un problème. Tu vas aller voir quelqu'un pour consulter. Tu vas dire, mais il y a un problème dans la vie de cet enfant. Et beaucoup sont restés comme ça dans les couches. 20 ans de fois, ils sont dans les couches, chers frères et sœurs. Ils n'arrivent pas à se prendre en charge. C'est une vie routinière, chers frères et sœurs. C'est pas ce que Dieu veut, alléluia. Il veut que nous dépendions de lui de manière absolue, alléluia, outre le soutien qu'on peut avoir des uns et des autres. Et l'Église ne grandit que par l'enseignement. On a besoin d'être enseigné, chers frères et sœurs, sur les voies de Dieu, sur le plan doctrinal. Nous avons besoin d'être enseignés, alléluia. Il y a un frère qui s'était donné au Seigneur comme ça, bon, nouvellement venu, et puis bon, il écoutait un prédicateur, après lui, il n'en a plus besoin. De toute façon, c'est Jésus qui est mon berger. Un jour, il m'envoie un message. Le Seigneur a mis ce frère à côté de nous. Il y a des paroles qu'il a mis à côté de nous pour qu'on enseigne les choses de Dieu. Il m'envoie un jour un SMS en disant, voilà, il y avait des attentats à Paris. Il me dit, prions pour les âmes. Et il avait envoyé ça à plein de personnes. Et les gens savaient que ce frère, il est avec nous. Mais j'étais choqué. J'ai ouvert mon SMS comme ça. J'ai dit, mon Dieu, envoie ça à 15 personnes, machin, tout ça. Il me disait dans le Seigneur que, bon, prions pour que le Seigneur puisse accueillir les âmes de ces personnes qui sont mortes suite à l'attentat. J'ai dit, c'est pas possible ça. Je l'ai envoyé, je lui ai dit, mais ça ne tient pas la route. Je l'ai envoyé au 9-27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois que pour dire le jugement. Nous, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de troisième voie. Nous, les. Et au 9-27, donc. Et je l'ai appelé, il me dit oui, donc je l'ai renvoyé dans les écritures, tu vois. Donc les gens sont parfois pressés, ils ne veulent pas s'asseoir, ils pensent qu'ils sont arrivés. Non, frère, même nous aujourd'hui qui parlons des choses de Dieu avec aisance, on s'est assis, j'étais dans l'ombre, moi. J'ai beaucoup écouté les hommes de Dieu. Et je constate même une chose, il y a des gens parfois qui ont l'appel de Dieu, et parce qu'en fait Satan, il envoie des peurs, ils ont du mal à s'élever. Mais ces gens vont finir par se lever un jour. Ce n'est pas des gens qui veulent toujours montrer que c'est, je connais, juste bien se mettre en avant. C'est impossible. Non. On a besoin d'être enseignés. Même nous qui enseignons, nous avons besoin parfois de nous taire pour écouter ce que Dieu a dit à travers les autres. Vous avez vu, parce que le Seigneur peut. Ce n'est pas parce qu'on prêche qu'on est parfait. Non. Le Seigneur peut vouloir nous éclairer sur un certain homme. Et si on ne prend pas le temps d'écouter, on ne donne pas la liberté aux gens de s'exprimer, et on peut continuer comme ça, et puis alors qu'il y a des choses dans notre vie qui doivent être réglées, et on va continuer avec ça comme ça. Donc on a besoin que le Seigneur nous enseigne
Et il a dit, enseignez-les à observer. En fait, il dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il va dire, après la résurrection, il va rencontrer, il va faire cette rencontre avec l'apôtre. C'était Pierre, les trois fils de Zébédée. Ils s'étaient retournés à la pêche. Le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur va dire à Pierre? Regardez un peu. Qu'est-ce que le Seigneur va dire à Pierre dans le livre de Jean? Jean 21, je ne sais pas ce que dit Jean 21. Je suis en train de dire une bêtise, hein? Ouais, Jean 21, verset 15. On peut lire, quelqu'un peut lire. Jean 21, verset 15. Je lis. Oui, vas-y. Et après qu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que nous-mêmes ceci? Et il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, paie mes agneaux. Ah, il dit paie. C'est comme s'il donne du lait, enseigne. C'est ça, enseigne, nourris-les en fait. Nourris-les. Nourris mes brebis. Alléluia. Pourquoi? Parce que Pierre a une expérience avec Dieu. Il a été enseigné lui-même pendant 3 ans et demi. Il a une marche, il a un vécu avec le Seigneur. Il va dire maintenant, transmets-les ce que tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu. C'est ça. L'expérience que tu as avec moi. C'est ça qui va amener les gens à maturer dans les voies de Dieu, à grandir. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas être enseignés. C'est ça, ça fait un problème dans l'école. C'est pour l'église, elle est fragile. Le Seigneur veut une église forte. L'église ne sera forte que où on se limite qu'à la manifestation. Oui, nous voulons voir la manifestation de puissance. L'évangile, parce que l'évangile n'est pas seulement conçu en parole, mais aussi en démonstration de puissance. Mais ce n'est pas seulement, on peut dire ça autrement aussi, hein. L'évangile n'est pas seulement conçu en démonstration de puissance, mais aussi en parole. Donc il y a une dualité. La parole et la puissance, c'est ce qui fait l'équilibre. On ne veut pas, on peut rester dans un endroit où c'est seulement la parole. Exactement. Et il n'y a pas la puissance de Dieu qui délivre les âmes. Il n'y a pas la vie du Seigneur dans la vie de ces personnes. Et pourquoi? Non. C'est les deux ensemble. C'est ce qui fait l'équilibre au milieu du peuple de Dieu. On a besoin d'être enseigné. Ça, c'est important, chers frères et sœurs. De nous retrouver et surtout que Dieu inspire l'enseignement. Ce n'est pas des choses qu'on va préparer à l'avance. Laisser le Seigneur inspirer, chercher plus Dieu dans la prière. Chercher Dieu dans la prière. Et Dieu va donner, il va donner l'illumination, il va donner ce qu'il faut, la nourriture convenable au peuple. Alléluia. L'Écriture nous dit que quel est cet économe, la nature, et quel est cet économe prudent qui donne la nourriture au temps convenable. On voit que Dieu va récompenser ce serviteur. Donc c'est ça, on a besoin, et on est loin pour délivrer les gens de l'ignorance. Les gens sont ils sont aveuglés, ils ne connaissent pas Dieu. Le monde est religieux, chers frères et sœurs. Et nous avons besoin de cette onction. C'est ça qui va délivrer, qui fait tomber les forteresses. Hein, c'est pas les âmes avec lesquelles nous combattons, ce ne sont pas des âmes charnelles. Hein. Le roi, c'était des guerriers, chers frères et sœurs. C'était des chefs de guerre, et nous sommes dans une guerre. Contre les fausses religions. Ce n'est pas en apprenant l'islam, le Coran, les sourates, qu'on va gagner les musulmans. Par la prière. Voilà. Par une vie de consécration, une vie de prière, si on est revêtu de Dieu, chers frères et sœurs, ce n'est pas en faisant des compromis avec ces personnes. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ont besoin de rencontrer Christ, alléluia, parce que c'est le seul sauveur. La Bible nous dit dans 1 Jean 4, verset 15, que celui qui confesse publiquement Jésus-Christ, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Donc si on nie le Christ, on n'a pas Dieu. Dieu qu'on prétend avoir. Dieu se révèle dans le Christ. Alléluia. Et c'est Christ qui nous révèle Dieu, le véritable Dieu. Nous voulons un Dieu qui sauve, un Dieu qui guérit, un Dieu qui rachète, un Dieu qui délivre les âmes, chers frères et sœurs. Alléluia. Déjà de la puissance du péché. Quand vous passez le péché, quand le péché sort de nos vies, le reste suit.
Voilà, donc, et aussi nous voyons cet apôtre, ce salut-là. Ce roi, il a reçu l'onction. Premièrement, il a reçu l'onction. Il reçoit l'onction. La Bible dit que quand tu vas plus loin, tu vas rencontrer des personnes, trois personnes, un avec des outres de vin, un avec du pain, l'autre avec des chevaux. Et qu'ils te donneront. C'est eux qui vont te donner. Et ça nous parle de la partie matérielle. C'est pas, on n'est pas dans ce passage. On n'est pas en train de voir Saül en train de dire, bon, mais écoutez les gars, je viens de recevoir l'onction. Vous voyez comment ça goûte là? Ça goûte, hein? Ça goûte, bon, mais écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? Il ne s'est pas mis à commercer, à faire du commerce pour dire, bon, voilà, ton chico là, je te donne une goutte d'onction, ou il commence à déchirer son manteau et vendre des petits morceaux, des tissus pour avoir de l'argent. C'est ce qui se passe. Combien d'hommes de Dieu utilisent leur position aujourd'hui pour exploiter, hein, pour voler, pour dépouiller le peuple de Dieu, hein. Tout est bon, c'est devenu des lieux de commerce, hein. Une maison de prière, vous en avez fait une maison de commerce, de trafic. Il y a toutes sortes de trafic. Ceux qui vendent et ceux qui achètent, ils sont coupables devant Dieu. Le Seigneur a frappé non seulement, il a renversé non seulement les tables des changeurs, et puis aussi les gens qui achetaient, il les a chassés. Il a utilisé le feu pour les chasser. On doit arrêter parce que ceux qui achètent, ils soutiennent le commerce. Le commerce ne peut pas tomber. Si on achète, si vous allez dans un magasin, une épicerie, acheter, ben vous allez maintenir cette activité. Mais si on s'abstient, ben l'activité va tomber. Ça va tomber en fait. C'est comme ça, ça veut dire que ben, il faut qu'on arrête d'acheter les livres de l'homme de Dieu. Et puis ces livres-là, tellement ça nous prend du temps qu'on n'a même plus le temps pour lire les Écritures. On cherche Dieu à travers des livres. Et pourtant, nous avons 66 livres. Nous avons 66 livres. Hein, il faut prendre du temps pour lire, hein, 66 livres. Il y a de quoi se faire. Surtout, c'est tous les versets qui sont pris dans la Bible. Oui, oui. Donc, autant oui, lire la Bible. Autant lire la Bible. Autant lire la Bible. Oui, autant lire la Bible. Donc, il faut se gagner du temps. Que... Moi, j'ai eu des bouquins qui m'ont fait. Ils m'ont beaucoup ouvert l'esprit. Non, mais c'est vrai. Hein. Oui, mais Dieu ouvre l'esprit. Mais bon. Mais je suis d'accord avec toi. Donc, que le Seigneur nous aide, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Mais normalement, oui, c'est pas qu'on ne doit pas écrire. Il y a deux qualités de prophètes. Il y a des prophètes prédicateurs, comme Élie. Élie, il n'a pas écrit, il n'y a pas un bouquin de Élie. Tu vois, il a enseigné, ou Jean-Baptiste. Il y a des prophètes écrivains, comme Moïse. Tu vois, comme Josué, ils ont écrit. Et aujourd'hui, ces deux types de prophètes ou de serviteurs de Dieu, ils existent. Mais sauf que certains, ils ont opté pour le commerce. Ça doit être gratuit, en fait. Tu vois? Sauf qu'ils vendent les révélations. C'est les révélations qu'ils reçoivent. Mais ils vendent ça. C'est ce qui est mal. C'est pas que ce qui est écrit, c'est mauvais. Ça ne peut pas édifier, ça ne peut pas encourager, ça ne peut pas fortifier. J'ai lu les livres. Alléluia. Il y a des choses qui sont vraies et certains, bon, après, il faut prendre les pincettes. C'est pas que c'est mauvais. Le problème, c'est le commerce qui tourne autour des produits dérivés de la Bible. C'est ça que le Seigneur condamne. Hein? Il n'a pas commencé à faire à marchander l'onction qu'il a reçu, chers frères et sœurs, pour avoir, parce que Dieu avait pourvu à cette partie-là. Et nous voyons même durant le ministère de Jésus sur la terre, dans Luc chapitre, je crois, chapitre 8, c'est le premier verset, où Jésus était entouré des femmes qui lui servaient avec leurs biens. Donc, parce qu'il y a une partie matérielle, chers frères et sœurs. Et l'œuvre de Dieu, elle, pour faire des missions, ben, c'est avec de l'argent. Si tu dois prendre l'avion pour aller, je ne sais pas, à l'autre bout du monde, c'est pas dans une boîte. C'est pas dans la boîte, dans la poussette. Donc il y a des moyens adéquats, il y a des moyens appropriés. Ou tu ne veux pas aller te présenter à une salle d'embarquement, Air France. Je viens de la part du Seigneur. Ils vont dire t'es malade. Ils vont appeler 115 épisodes. Voilà. Voilà. Tu vois. Donc il y a des lois, il y a des règles, il faut les respecter. Donc
Et il va aller plus loin, donc il va faire cette rencontre avec cette foule de prophètes. Donc ils vont prophétiser ensemble. C'est ça, c'est une seule église. La véritable église, elle est unie. Hein? Ce n'est pas des hommes qui travaillent pour l'unité de l'église. Elle est faite par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui assemble son peuple. Celui qui crée des connexions. Et plus que jamais, chers frères et sœurs, nous avons besoin de la présence. Nous voulons être une église qui est ointe. Alléluia. Une église qui est ointe, les conditions changent. Chers frères et sœurs, nous voulons une église qui est ointe, des ministères qui sont loin. Alléluia. Pas des gens qui sont formés dans les universités chrétiennes. C'est bien, mais sans l'onction. À quoi sert la lettre sans l'onction? On a besoin de l'onction parce que c'est l'onction qui brise les jougs. C'est l'onction qui délivre, qui nous sort des chaînes de captivité, de maraboutage. C'est l'onction de Dieu qui libère les gens de la puissance du péché et de sa pratique. On en a besoin, chers frères et sœurs. Le Seigneur dit dans sa parole que le séjour des mondes ne prévaudra point contre son Église. Alléluia. L'Église, elle est forte. L'Église n'aime pas être la proie des sorciers, des vampires, des faux prophètes. Chers frères et sœurs, la véritable Église, elle est forte. Et quand je parle d'Église, c'est nous. C'est nous qu'on doit laisser le Seigneur bâtir notre vie. Ce n'est pas évident. Ça fait mal, mais acceptons l'œuvre de Dieu dans notre vie. Mais nous serons des hommes forts, des hommes aguerris, alléluia, des hommes et des femmes accomplis, chers frères et sœurs, pour faire de manière efficace l'œuvre que le Père nous a confiée. Merci Seigneur. Il est tout puissant. Peut-être ce matin, demandons au Seigneur qu'il nous donne plus de son esprit. Amen. S'il y a des choses qui font la guerre, qui empêchent le Seigneur vraiment d'établir sa royauté, son règne, c'est lui le Messie, alléluia. C'est lui loin l'envoyé de Dieu, c'est lui loin de Dieu, alléluia. Il est loin de la tête. Et si nous sommes membres, nous bénéficions de cette huile-là, de son autorité, de son onction, de son revêtement, tout ce qui est lui, alléluia. Nous sommes appelés à manifester les œuvres de Dieu. Partout où on se trouve, on peut avoir peur. Je peux pas aller dans cet endroit parce que là-bas il y a beaucoup de satanistes. Non, c'est un non-sens, ça, chers frères et sœurs dans le Seigneur. On a le Seigneur, alléluia, et on avance parce que nous sommes une armée, alléluia. Et Jésus lui-même est le commandant en chef, il est devant nous, alléluia. Amen. Il est sur le cheval blanc de Jésus, il juge et combat avec justice. Il combattra. Oh. C'est une démonstration de puissance et de force. La prédication, ne repose pas que sur les discours, mais sur une démonstration de puissance. C'est la puissance de l'esprit. La puissance de l'esprit. La puissance de l'esprit. Seigneur, on chie et on la Seigneur, renouvelle ton peuple. Seigneur, renouvelle, redynamise ton peuple. Seigneur, Dieu, visite, touche le feu de ton esprit, le feu de ta présence. Seigneur, Dieu, que ton action change ton peuple, détruis tout ce qui n'est pas de toi, détruis tout ce qui ne construit pas les hommes, détruis, Seigneur Dieu Père, détruis les raisonnements, détruis tout ce qui est. Laisse que le souffle de l'esprit,
le souffle ton esprit. 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 Le souffle ton esprit se passe en toi. Le souffle de ton esprit, Seigneur. Le souffle de ton esprit se passe en toi. Le souffle de ton esprit se passe en toi. Mon retour est là,
mon retour est là. Des églises, faites des mains sombres, seront fermées, beaucoup sont déjà fermées, mais moi, je dis, je suis là, je suis là, je suis là, je donne encore le temps, le temps, le temps, le temps, je vous donne encore du temps, du temps, du temps, du temps, du temps, du temps, je vous donne du temps, je vous donne du temps, parlez, parlez à vos familles, parlez à vos familles, parlez à vos familles, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, dites à vos familles, Jésus, moi, Jésus, je reviens, que les familles, que vos familles puissent entendre cette parole, dites-leur cela, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, les temps sont durs, 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 maintenant, levez-vous, levez-vous, allez dans les rues, allez dans les rues, allez crier, 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 mon retour est proche, mon retour est proche, mon retour est proche, je vous le dis encore, mon retour est proche, mon retour est proche, mon retour est proche, ribakabashara, ribakabashere, ribakabashara, ribakabashere, ribakabashara, ribakabashara, d'amour pour moi, je glorifie mes sommes. Je glorifierai ton nom. Je glorifierai ton nom. Donc dépendant. Je glorifie ton je glorifierai ton nom. De ta dévotion d'amour pour moi, je glorifierai. Oh Seigneur, nous voulons vivre dans la simplicité, dans l'effacement, Seigneur. Dans la crainte de toi. Oh, donne des cœurs d'enfants, Seigneur, des cœurs nouveaux. Je glorifierai ton nom. Oh, réponds l'amour de toi, Seigneur. Réponds l'amour. Réponds l'amour, Seigneur. Répands ton amour dans ton cœur, par ton esprit, Seigneur.
C'est dimanche 4 à 10h. Voilà, donc à l'hôtel Le Méjean, donc à partir de 10h. Donc, voilà, c'est une réunion publique. Donc, ça nous donne la possibilité aussi de prier sur les gens. Et puis, voilà, donc c'est aussi une occasion d'emmener les gens qui ont aussi autour de lui à des gens qui sont malades, qui sont possédés, ou qui cherchent la solution peut-être au travail de la médecine, on trouve rien, mais voilà. Donc, voilà, c'est une occasion de venir à une personne. Hein. Le Seigneur agit, hein. Dieu n'a pas changé. Hein. C'est les hommes, il faut refonder les fondements en fait. Il faut qu'on refonde les fondements. Il y a l'église des hommes et l'église de Jésus. Le Seigneur dit que le séjour des mondes est pris vos drapeaux contre son église. L'église ne peut pas être la proie des sorciers, ne peut pas être dans, je ne sais pas, dans les chaînes et tout ça. Donc c'est impossible ça. Tu vois? Donc il faut qu'on voit la puissance de Dieu à l'œuvre. Le Seigneur est venu pour libérer les âmes. Il nous libère du péché, il nous libère des démons, il nous libère des sorciers. On ne peut pas être enfant de Dieu, on a peur des sorciers. Mais c'est un non-sens. Hein. On a peur d'aller dans son village, on a peur d'aller dans son pays. Et pourtant on dit au roi le Seigneur. Ça ne tient pas la route. Donc, voilà. Et puis, on a des téléphones, on s'appelle hein, pour les réunions en semaine. Donc après il y a cette, ça fait, c'est le dimanche avant, donc on a eu la connaissance d'un certain couple et Ayat. Donc après eux ils font, c'est plus, ils sont plus dans les rues, ils font des prières, ils prient dans les rues sur les personnes sont guéries en fait hein. On appelle ça Last Reformation. Donc ils seront là samedi, je sais pas, l'esplanade c'est où? L'esplanade, c'est le Corum, hein? Hein? C'est à côté du parc. C'est à côté du parc de Corum, hein? C'est au parc de Corum. C'est le parc du Corum, hein? Donc, le Corum qui est là-bas.